Les Tortues Ninja reviennent par la grande porte chez iComics et quel plaisir de retrouver enfin les Tortues bien éditées et surtout bien traitées. Vous souvenez-vous, Soleil Édition qui faisait du comics un petit peu sur son temps libre il y a quelques années avait décidé de sortir la série actuelle des Tortues Ninja qui compte quand même plus de 80 numéros aux États-Unis et puis il y a plein de spin-offs, il y a plein d'histoires parallèles, il y a plein de séries annexes. Eh bien, ils avaient sorti des albums vendus je crois 16 €, c'était fin comme un sandwich SNCF. Il y avait 4 numéros par épisode, c'était un petit peu un scandale parce que il y avait aucun bonus, c'était mal édité, enfin c'était même mal imprimé, ils avaient pris l'imprimeur le moins cher d'Europe, enfin il y avait eu un vrai problème. Du coup, les licences étaient tombées complètement en jachère et iComics avec son grand retour, iComics donc c'est le nouveau label hop qui a déjà publié Rick et Morty, vous le savez, carton de Rick et Morty et futur carton pour les Tortues Ninja parce que j'ai vu Sullivan cette semaine et les précommandes sont complètement dingue chez tous les libraires. Il y a une grosse attente sur les Tortues Ninja. Donc il y a absolument, il y a deux albums qui sortent pour le retour des Tortues Ninja. L'avantage c'est que c'est moins de 15 € l'album. Donc bravo, c'est magnifiquement édité, c'est super bien, très très beaux albums avec un dos noir comme vous pouvez le voir et une qualité standard sur ce qu'on peut voir aujourd'hui, bien entendu chez Urban, chez Bliss Comics, chez Delcourt et tout ça. Donc vraiment un énorme travail éditorial et de fabrication. Alors ça commence par la suite de ce qu'on a eu chez Soleil, donc ce qui aurait dû être le tome 5 qui est le tome 1 chez iComics, donc c'est évidemment la suite, ça s'appelle La Guerre de Krang, la suite de ce que vous avez pu lire si vous l'avez lu, parce que je suis même pas sûr que ça ait beaucoup marché à l'époque. Kevin Eastman évidemment aux manettes, Tom Baltz et Ben Bates, donc de l'action, de l'humour et un vrai plaisir à retrouver les Tortues Ninja déjà en VF et en plus qui font le plein d'action dans des comics à ne pas rater. Donc ça c'est le tome 1, donc qui est le tome 5, mais alors quid des 4 tomes si vous les avez jamais achetés? D'abord, vous pouvez lire ça sans avoir lu, bien entendu, les 4 tomes. Donc c'est un peu l'avantage, si vous voulez, pas besoin d'avoir lu ce qui s'est passé avant. C'est un très très bon point de départ si vous ne l'avez jamais lu. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les tomes 1 à 4 qui ont existé, qui n'existent plus, vont ressortir dans les prochains mois, on n'a pas de date encore, en omnibus. Donc il y aura les 4 tomes façon Bliss Comics, façon intégrale, avec un très bon prix, beaucoup de pages, beaucoup de bonus, toutes les couvertures. Et du coup, on va pouvoir, ça s'appellera le tome 0, et on pourra relire les 4 premiers tomes d'un coup. Voilà ce qu'a fait Bliss sur les séries XO Manowar, sur les séries Shadowman, sur les séries Bloodshot, etc. etc. Voilà, donc pour les complétistes, vous pouvez commencer par ce tome 1 qui est vraiment parfait pour les nouveaux lecteurs, et vous pouvez également tout simplement attendre après la sortie du tome 0. D'ici là, il y aura eu un tome 2, mais on en parlera, etc. L'autre album à ne pas rater, c'est un spin-off, c'est un one-shot, un truc un peu pas en continuité, parce que c'était dans la même continuité que la série Tortue Ninja, mais c'est une série différente. Ça s'appelle L'histoire du clan foot, c'est pareil, pas besoin d'avoir lu autre chose, vous pouvez commencer par ça. Donc il y a un album tome 1 à suivre et un one-shot, si vous voulez, donc autant prendre les deux, hein, j'ai envie de dire. C'est Matteo Santolucco qui fait une tournée en France d'ailleurs de dédicace pour le lancement de l'album, qui dessine, et c'est absolument le dessin a pris un petit peu un cran au-dessus, c'est vraiment très très beau graphiquement, c'est très très chouette, et c'est un très très bel album des Tortues Ninja, des Teenage Mutant Ninja Turtles, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont gardé le nom original, et voilà, donc évidemment ça parle de Shredder et de son clan foot, et puis bien entendu avec toutes les incidences que ça a sur l'univers des Tortues Ninja et sur l'univers de tous les personnages qu'on peut connaître. Voilà, donc faites le plein des Tortues Ninja, réservez le meilleur accueil possible, iComics est un nouveau label qu'il faut soutenir, c'est un label des éditions Brash Dunn, c'est Sullivan qui s'en occupe, Sullivan Rouault de Comics Blog. Vous avez déjà accueilli Rick et Morty avec Fracas, et bien faites pareil pour les Tortues Ninja, en tout cas il y en aura plein d'autres, et nous on sera ravis de vous les montrer, de vous en parler, puisque nous sommes très fans de ça, et très fans de Sullivan, très fans d'iComics, et très fans des Tortues. Voilà, tout ça est disponible sur originalcomics.fr, le descriptif est dans le lien de la vidéo. Salut !